Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi. Ça fait peut-être genre. C'est combien de temps que j'ai pas posté sur YouTube? Peut-être 3 mois, voire plus, le temps que cette vidéo soit postée. En tout cas, j'espère que vous m'avez pas oublié. Oh mon dieu! J'ai reçu quelques messages sur mes réseaux sociaux pour savoir si j'arrêtais les vidéos, quand est-ce que je revenais, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Il fallait juste que je remette la machine en route à l'intérieur. Laissez-moi me servir ma petite tisane bleuet lavande que je me suis faite parce que j'ai un petit mal de crâne. En vérité, même avant de faire cette pause de quelques mois, j'étais beaucoup moins active, enfin pas active mais du moins beaucoup moins régulière sur YouTube par rapport à mes autres réseaux sociaux, puisque pratiquement l'intégralité de mes vidéos sont des vlogs de ma vie, littéralement. Forcément quand celle-ci ne va pas très bien, c'est un peu compliqué de filmer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais les ruptures amoureuses, c'est difficile et c'est long. J'ai mis fin il y a quelques mois pour de bon à ma relation qui a duré officiellement disons 3 ans et demi, mais si j'englobe toute la chose, je dirais 5 ans. Et 5 ans c'est très long. Mais quand tout ça s'est arrêté il y a quelques mois pour de bon, forcément j'ai eu besoin de souffler un peu beaucoup. Parce que je remettais beaucoup en question mon contenu sur YouTube, mon contenu en général sur les réseaux sociaux, qui j'étais. C'est parfois difficile pour moi de faire la part des choses entre mes différentes personnalités, si on peut dire ça comme ça. Entre donc moi, Salomé 22 ans, Sobutine qui est présente sur les réseaux sociaux et la Salomé qui est présente au cinéma. Et puis récemment j'ai aussi voulu diversifier mon contenu sur d'autres plateformes, à savoir TikTok. Donc je me suis créé un TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre, c'est Sobutine comme tous mes réseaux sociaux. Sur cette plateforme là je poste surtout du contenu relatif à la danse classique parce que j'ai repris la danse en novembre dernier, ça me plaît énormément. Ou si ça vous intéresse, etc., n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas que ça, si je fais des petits voyages ou des... Enfin bref, c'est comme des vlogs, en vrai, c'est comme ce que je fais sur YouTube, mais en format TikTok. Je vous apprends rien, vous savez ce que c'est TikTok. Et puis j'ai aussi commencé à faire des Reels sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Enfin bref, sur mes réseaux sociaux, je n'ai pas arrêté d'être active, mais c'est vraiment YouTube le problème, puisque bah ça demande beaucoup plus de temps, évidemment. Et puis entre temps, Salomé est retombée amoureuse. Alors ça, c'était pas du tout prévu, mais quand les choses sont pas prévues, en vrai, c'est encore mieux. Salomé, à ce moment-là, n'avait pas du tout envie de retourner dans une relation, puisque je pense que les mecs, elle en avait jusque-là, mais vraiment, elle avait eu sa dose, mais sa dose, vraiment sa dose. Mais écoutez, c'est venu naturellement, donc je l'ai pris. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram... voilà, je le cache pas, donc vous deviez, enfin vous étiez déjà très certainement au courant. Et donc ça aussi c'était nouveau pour moi d'être dans une relation qui est enfin saine, avec quelqu'un de enfin sain d'esprit, qui est sincèrement bienveillant et qui t'écoute, qui communique, bref, et qui a zéro red flag aussi, ça c'est cool. Et donc voilà, c'est juste remettre la machine en route, tout simplement. Et du coup, bah, YouTube a été un des dommages collatéraux, si on peut dire ça comme ça. Je ne serai plus, je pense, aussi régulière que je l'ai été à un moment, c'est-à-dire poster tous les dimanches à 18 ou 19h, je sais même plus. Je veux poster quand je le veux, poster des choses qui me font plaisir à moi personnellement, et d'arrêter de faire les choses pour les autres. Donc ces quelques mois de pause m'ont fait beaucoup de bien pour revenir en force et pour surtout... eh bien, remettre les choses à plat, remettre les choses à zéro, redémarrer la machine de manière plus douce. Férié, sauf pour moi, puisque aujourd'hui bah, je suis allée en cours ce matin et là je vais au taf tout à l'heure parce que ça aussi ça fait partie d'une de mes personnalités que j'ai pas dit, mais c'est aussi qu'il y a une Salomé qui est vendeuse en magasin de fringues. Bref, ça va faire 2 ans bientôt, putain, ça date. Ouh. Donc là, juste avant de partir, je vais juste me faire un petit café au lait, je me change et j'y vais. Ma vie a changé depuis que j'ai eu pour mon anniversaire ce mousseur à lait de chez Nespresso. Un investissement de qualité. Je peux mourir pour de la mousse. Je peux mourir. Ce soir, après mon taf, il y a Livio qui vient à la maison. Et demain, on va aller se lever très tôt, lui et moi, puisqu'on prend le train pour aller dans le sud chez ses grands-parents.
Ça va être trop bien. Mais je pense que niveau météo, on n'aura pas beaucoup de chance parce que on part en région PACA et il a fallu qu'on prenne vraiment la seule semaine où il pleut. Voilà, à Paris il fait beau. On va dans le sud, il pleut. Non mais pas de soucis. Hein. C'est le premier vrai rayon de soleil qu'on a depuis qu'on est arrivé. Il faisait que de pleuvoir, et là, c'est magnifique. Bon, eh bien écoutez, les vacances, c'est terminé. Je suis de retour à Paris. On est rentré hier soir. Mais je reprends. Vraiment, je reprends à fond les ballons. Là, je vais à un tournage avec mes copains de mon cours d'acting. Ça va être trop bien. Le scénario est très très cool. Par contre, j'ai très mal dormi, puisqu'on s'est couché très tard et que le voyage a duré des plombes. Bref, c'était. En fait, tu sais, le moment où t'es tellement fatigué que tu n'es plus fatigué, bah, c'était moi hier soir. Voilà. Et en plus de ça. Comme ça peut se voir peut-être à ma tête, mes allergies ont repris de plus belle. Donc ça fait même pas 24 heures que je suis arrivée à Paris. Et mes allergies au pollen, elles ont... Voilà, c'est vraiment un plaisir. Ceux qui sont allergiques, vous comprenez. Ça n'arrive pas.